Bonjour à tous. Alors, on va aller voir un petit peu le message que l'on souhaite te donner aujourd'hui. C'est un message canalisé. Allez, on va voir ensemble ce que l'on souhaite te donner comme information. On te parle de toi. Toi qui as changé beaucoup de choses dans ta vie. Toi qui as évolué au travers d'une situation qui était quand même particulièrement compliquée. On parle notamment d'un homme qui était présent autour de toi. On voit un jeune homme qui est là, avec qui il y a eu, qui t'a profondément blessé. On voit que avec cette personne, il a fallu acter des changements et on sent que ça a été fait dans la difficulté. Il a fallu que tu t'armes vis-à-vis de lui. Alors ça peut être aussi en lien, et là pour le coup ça résonne avec moi, concernant, tu vois, tu es dans une phase de séparation. Et il y a la garde d'un enfant qui est présent et pour lequel tu as dû te battre. Et on parle bien clairement, tu vois, de ce document officiel qui ressort, qui a été signé. Et ce qu'on te dit, c'est qu'à compter d'aujourd'hui, toi, pour toi qui, du coup, est dans une nouvelle phase de ta vie, on te parle clairement d'une évolution qui va arriver, une évolution plutôt positive aujourd'hui. Tu t'inscris dans de nouvelles énergies. Et on sent que ce que tu as mis du temps à construire, tu as pris les coups au fur et à mesure. Parfois peut-être des mensonges, de la manipulation, tu as eu peur peut-être de perdre la garde de tes enfants parce que l'autre te faisait du chantage ou de la menace. Mais on te dit qu'aujourd'hui, toi, un nouveau changement est en train de s'opérer. On voit aussi que de ce côté-là, il y a une vraie notion de se construire un foyer et tu es dans ce parfait équilibre. Tu vas retrouver une véritable harmonie. Qu'est-ce qu'on te dit? Et notamment, tu vois, on te parle vraiment de cette personne, en particulier de cet homme qui va être proche de toi, ou qui l'est peut-être déjà, qui est rentré tout doucement dans ta vie, qui va être un vrai soutien. On sent que cette personne est un vrai cadeau pour toi, tu vois, on te parle d'amour. Bref, je te dirais, après cette période difficile, il y a toute une nouvelle construction qui est à l'œuvre. On voit que tu actes des changements au niveau du logement, du foyer. On voit que cet homme qui est là aujourd'hui, avec qui tu as envie de t'investir, de construire, voilà, on te dit que cette personne est saine pour toi et qu'elle a vraiment des envies d'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Effectivement, il y a des inquiétudes peut-être encore au niveau financier, des dépenses imprévues qu'il va falloir maîtriser. Mais je te dirais, voilà, ça, il faut que tu fasses attention dans ces périodes de changement, mais on te dit que derrière ces inquiétudes se cache pour toi une période de bien-être et que cette période un petit peu instable financièrement est en tout cas nécessaire. On voit que tu as encore certaines inquiétudes au niveau sentimental et qu'il faut aussi que tu lâches un petit peu prise par rapport à ça. Ta nouvelle liberté, ton nouveau toi est en train de se révéler tel un grand jour. Donc, écoute ce qui résonne avec toi, mais clairement aujourd'hui, tu es dans la phase d'après, celle qui t'est nécessaire pour réussir pleinement tous tes nouveaux objectifs. On voit hein, que tu es bien entouré, il va y avoir des opportunités de sortie, il va y avoir des victoires à fêter. Donc, accepte ce qui se passe. Si tu es dans cette phase encore de combat, on te dit que les choses de toute façon vont évoluer favorablement pour toi. Tu obtiendras la victoire sur tous les plans.